Les stars hollywoodiennes Vin Diesel, 55, Helen Mirren, 77, ont une amitié inattendue surprenante. Le lien qui unit le duo suscite l'intérêt des fans qui se demandent si cette camaraderie pourrait déboucher sur quelque chose de plus. Vin Diesel a incarné de nombreux personnages de cinéma, mais il s'est définitivement fait connaître pour son rôle dans les films Fast. Si sa carrière réussie suscite l'admiration de beaucoup, certains s'interrogent sur sa vie privée. Récemment, une rumeur a couru qu'il sortait avec Helen Mirren. Helen Mirren et Vin Diesel assistent au 45e Gala des Prix Chaplin le 30 avril 2018 à New York. Source des images, Helen Mirren est depuis longtemps admirée pour ses carrières et ses opinions audacieuses sur les relations les beautés du vieillissement. Elle partage avec les femmes françaises l'attitude qui consiste à vieillir selon ses propres termes, que ce soit intentionnel ou non. Elle défie les attentes des sociétés à l'égard des femmes d'un certain âge en acceptant de vieillir disgracieusement. Bien qu'elle arbore ferme ses cheveux gris, Helen Mirren, 77 ans, n'hésite pas à construire un lien spécial avec un homme plus jeune. C'est d'ailleurs elle qui s'est présentée des premières Vin Diesel pour décrocher un rôle dans son film. Mirren était particulièrement remarquée pour son interprétation de Queenie Shaw dans deux films récents, Fast and Furious 8 2017 et Fast and Furious 9 2021. Ces films font partie de la franchise du succès Fast and Furious associée aux acteurs Diesel Paul Walker, aujourd'hui décédé. Diesel s'est fait connaître autour de Dominique Toretto, tandis que Walker incarnait le personnage de Brian O'Connor avant de mourir en 2013. Helen Mirren fut pour ce pape rappeler qu'elle s'était bien amusée pendant le tournage des deux suites. Vin Diesel et Paul Walker arrivent les premières du film Fast. Surtout des images adeptes de vitesse, l'actrice a trouvé amusant que tout ce qu'elle avait pu faire dans le film de 2017 était de rester en prison à l'arrière d'une ambulance. Elle n'a donc jamais eu l'occasion de démontrer ses talents de conductrice. Cependant, elle a finalement montré ses capacités de conduite lorsqu'elle est revenue pour le film de 2021. Selon Helen Mirren, elle est toujours pensée que si quelqu'un désire vraiment votre présence, il ferait un effort pour vous approcher. Elle n'a jamais cherché activement un rôle, même s'il l'intéressait profondément. Cependant, bien qu'elle ait ses propres règles strictes afin d'être sélectionnée pour un rôle dans un film ou un projet télévisé, Helen Mirren les est totalement ignorée lorsqu'elle rencontre Diesel. Elle s'est soulevée, j'ai vu que je me suis présenté et je les supplie tous vergogne de me faire jouer dans l'un de ces films. Dans le prochain film Fastique, Vin Diesel et Helen Mirren reprendront leur rôle tout pour le plus grand plaisir de fans. Après le succès de la suite, les fans ont exprimé leur désir d'avoir plus de scènes entre Dominique et Queenie, y compris une scène de baiser pour le binôme à l'écran. Lors d'une interview accordée au New York Times en 2021, Helen Mirren indique qu'elle soutenait cette demande des fans, déclarant qu'un baiser très chaste serait bien. Par ailleurs, selon le rapport de Collider Plus, qu'on ferait demander Helen Mirren si elle voulait partager une scène de baiser avec Diesel, elle s'est exclamée « Oh mon Dieu, bien sûr !» Je veux forer, pour que des projets se concrétisent, Helen Mirren a posé une condition. Vin Diesel doit lui parler d'avis après la scène pour une raison précise, parce que c'est des voix qui m'excitent vraiment. Très honnêtement, Vin Diesel arrive les premières de Fast. Getty Images. En outre, Helen Mirren également loue les autres qualités de Vin Diesel contribuent à son succès dans ce film très prisé. Elle a noté que Vin Diesel avait les voix les plus incroyables, tout décrivant comme un grand noir brun velouté. Chaque fois qu'elle l'entendait parler, Helen Mirren admettait se sentir un peu gluante. Pour l'actrice, la voix de Vin Diesel est comme un moteur parfaitement lubrifié. Ailleurs, elle était très impressionnée par l'habileté de Vin Diesel au vol. Selon Helen Mirren, Vin Diesel également était passif avec lui en ce qui concerne les différentes technologies utilisées dans le film. Elle a déclaré que le tournage du film était trop complexe pour elle. Mirren a admis qu'elle n'était pas familière avec l'environnement du plateau qui était complètement différent de ceux sur lesquels elle avait déjà travaillé. Louis Santactrice déclare que le fait d'avoir un bon ami les côtés m'a beaucoup aidé, c'est certain, mais pas fait l'actrice avouer être intimidée par les scènes de voiture. Avec le temps, elle s'est habituée à l'expérience et réalisé que travailler avec Vin Diesel était facile et agréable.
qu'ils sont devenus Gustav Tholen-Miret et Vin Diesel ont tissé un lien unique. Ils ont dansé ensemble sous les pluies et siroté du vin rouge dans le jardin. 2021 Tholen-Miret est posté sur Instagram une adorable photo d'elle et de ses costards partageant un doux moment. Le duo de célébrités assiste au défilé d'Idols. Triss était éblouissante d'une robe de bal en belte avec un corsage d'or autour de les tailles, tandis que Diesel avait l'air suave de son élégant costume sombre. Les invités prirent plaisir et regardent danser. Tholen-Miret était de bonne humeur ce soir que les gens dans son postage et dansé sous la pluie avec Etienne Desfessel, même si le temps était mauvais. Beaucoup d'abonnés de l'actrice sur Instagram ont fait l'éloge de d'adorables moments que les deux ont partagé. Le duo dynamique n'est pas seulement captivé le public du défilé de mode vénitien avec sa douce danse, mais il a également fait sensation auprès de ses admirateurs avec une photo noire et blanc cool. Tholen-Miret et Vin Diesel semblent confortablement installés l'un côté de l'autre. On montre le duo assis sur un bot. Vin Diesel porte une chemise à manches et un pantalon sombre. Tholen-Miret une chemise blanche et une robe noire. Vin Diesel avait son bref autour des épaules de Tholen-Miret tandis qu'elle tenait ses mains sous ses épaules. Diesel Tholen-Miret pendant le tournage de Fast X le 18 juillet 2022, Rome, Italie. Crédité image, la photo semble avoir été prise lors de la célébration du 55e anniversaire de Diesel Trop le 22 juillet 2022. Dans le jardin du restaurant anticipeux ce lieu de prédilection de la célébrité, que les deux vedettes auraient été aperçues compagnie d'un producteur de la dernière suite de Fast. Selon une source, Vin Diesel est d'abord porté à blazer, mais ensuite enlevé présent de la chaleur. Célèbre actrice et lui ont bu du vin rouge avant de passer au Prosecco pour le toast d'anniversaire. On peut déguster une cuisine italienne traditionnelle. Diesel était surpris par un gâteau éponge victorieux, son dessert préféré. Source mentionnait que Vin Diesel et Tholen-Miret ont passé un moment extraordinaire ensemble. Au cours de la célébration, Diesel est dirigé le groupe en chantant Happy Birthday pour lui et modifier les paroles de manière ludique en Happy Birthday. Dit Tholen ou l'honneur de Tholen-Miret dont l'anniversaire tombe le 26 juillet. L'équipe de la célèbre franchise cinématographique fait de sorte que Tholen-Miret se sente la bienvenue et que son visage se met à sourire. Sur le tournage de Fast X, elle aurait été vue en train de toucher délicatement le visage de Diesel lors d'une scène. Les fans se sont alors demandé si leur relation n'allait pas plus loin compte tenu de l'indéniable alchimie qu'ils partagent. Les agissements de Tholen-Miret et Vin Diesel de stars de l'industrie du divertissement ont attiré l'attention de nombreuses personnes. Ce qui est poussé de fans évoque sur Twitter une possible romance entre eux. L'utilisateur de Twitter a noté que l'aspect le plus amusant de toute la suite de Fast. Fan a tweeté « Je veux ce qu'ils ont accompagné de capture d'écran d'articles en ligne sur la relation intrigante entre Tholen-Miret et Vin Diesel. » Alors que les fans spéculaient sur la relation du duo, Tholen-Miret et Vin Diesel ont récemment échangé des compliments. Tholen-Miret a également révélé le statut de sa relation avec le bel acteur, ils semblent n'être que des amis qui partagent une alchimie inexplicable. Pour eux, Tholen-Miret, l'alchimie est un concept qui les laisse perplexes. Elle poursuivit en expliquant que le fait de partage d'une alchimie de l'écran illustre non seulement le côté doux de la chose, mais aussi son côté désastreux. Elle expliquait qu'il y ait des couples bien assortés qui ont une grande alchimie en dehors de l'écran, mais qui ne parviennent pas à traduire ce genre de romanteuse qu'ils jouent ensemble dans des films. Mais pour les personnes les plus imprévisibles, rajoutait Madame Miret, l'alchimie est instantanée. Les relations entre les célèbres actrices et Vin Diesel semblent relever de l'idée d'une alchimie inattendue et instantanée à l'écran. Je l'adore, s'est déclaré Miret concernant Diesel qui a 22 ans de moins qu'elle. Vin Diesel a eu des désaccords présumés avec certains de ses collègues de Fast. Il admire beaucoup l'actrice britannique. Selon le célèbre acteur, Tholen-Miret possède un charme intemporel, un look époustouflant, une personnalité pleine d'entrain. D'autres filles indiquaient tes qualités les plus attrayantes de Tholen-Miret. Elle vous fait toujours sentir apprécié d'aimer. Et pour celles que je l'aime pour toujours, certains ne savent peut-être pas que Miret et Diesel sont en fait heureux en amour avec leur partenaire.
Irène est mariée et son mari le réalisateur qu'ancien président de la Directors Guild of America Taylor Hackford depuis 1997. Elle est la belle-mère des deux fils de Taylor Hackford et de son précédent mariage. Taylor Hackford et Mireille est 22e la 645e galée du prix Chaplin au Lincoln Center le 30 avril 2018 à New York. Fogetti Image Joseph Cantelou entretient une relation à tout terme avec le mannequin mexicain Paloma Jiménez qu'il ne dévoile pas depuis des années. On ne sait plus comment ils se sont rencontrés et ils sont ensemble depuis 2007. Il fallut quelques années à Joseph pour trouver le partenaire idéal et atteindre un niveau de maturité qui lui permet d'exceller pour que père dévoué, ce qui était son but ultime. Avant de sortir avec Jim, Vindieuzel aurait brièvement fréquenté Michel Rodriguez que se covdait de fest. Seul Vindieuzel avait conclu qu'il préférait sortir avec des femmes ne faisant pas partie de l'industrie du divertissement afin de protéger sa vie privée. Vindieuzel et Paloma Jiménez assistent à la soirée des Oscars 2019 de Vanity Fair organisée par Radhika Jhonwalis à Nampere Center for the Performing Arts le 24 février 2019 et Beverly Hills, en Californie. Sur Getty Images, alors que Jiménez et Vindieuzel ne se sont pas encore mariés, ils sont les fiers parents de trois adorables enfants. Fille Anne Riley née en avril 2008 et suivie de leur fils Vincent de 010. 015 Diozel et Jim ont accueilli leur plus jeune fille Polly dont le nom est un hommage au Ocre. Anne fut l'un des trois enfants du couple et a suivi les traces de Vindieuzel dans le monde du spectacle. Le duo père-fille est prêté ce nouveau spin-off et version animée de Fast and Furious de Netflix intitulée Fast and Furious Spy Race. Vindieuzel et ses enfants Annie Riley Sinclair et Vincent Sinclair et Pauline Sinclair assistent à des premières européennes du Royaume Leicester Square le 14 juillet 2019, Londres en Angleterre. Sur Getty Images, bien que l'identité de les compagnes de Vindieuzel et de leurs enfants soit déjà connue du public, le père de trois enfants a préféré ne pas dévoiler d'autres détails sur sa famille. Vindieuzel déclarait qu'il souhaitait préserver sa vie privée et précise qu'il ne se conformerait pas à des pratiques courantes qui consistent à faire figurer sa famille sur les couvertures de magazines, comme le font bon nombre de ses pères. Fans peuvent mettre leurs doutes de côté maintenant que Vindieuzel et Hélène Mirren sont heureux avec leurs partenaires respectifs. Vindieuzel semble satisfait de Jim et de leurs trois enfants et Mirren semble extrêmement heureuse d'avoir un mariage durable avec son Hackford. Des rumeurs d'une liaison de travail commun de Hélène Mirren et Vindieuzel et l'écran nous offert de nombreux moments mémorables. Bien que l'on ne sache que si les deux complices partageant un baiser l'écran, ils ont si captif l'intérêt de leurs fans. Rose Liam Neeson n'a jamais su combien Hélène Mirren était plus âgée que lui, c'était difficile pour lui d'être de son nom pour lire d'autres articles sur vos stars préférées. Abonnez-vous à Momamu sur Google News.